Si t'es en seconde ou en première, t'es sûrement en train de te poser la question du choix de tes spé. Et si t'es en terminale, Parcoursup arrive, donc dans tous les cas, la pression niveau orientation, elle commence à monter. Mais on va pas se mentir, si t'es comme la majorité des lycéens, t'as aucune idée de ce que tu veux faire plus tard, et donc tu sais pas trop quoi choisir. D'où le gros risque de faire comme tout le monde et choisir une orientation par défaut qui correspond pas vraiment. Je te rassure, pour être un ancien S, passer en ES, après des petites péripéties, je sais vraiment ce que ça veut dire de rater son orientation et donc je vais tout expliquer pour ne pas que ça t'arrive. C'est Étienne Descharpins et aujourd'hui, je vais te donner mes 5 conseils pour réussir ton orientation. C'est parti! Conseil numéro 1, tes choix d'orientation sont juste super importants. Je sais qu'au lycée, t'as l'impression que l'orientation c'est un peu bidon, que tes études supérieures c'est dans longtemps et que donc bah, ta vie professionnelle c'est dans encore plus longtemps. Le truc c'est que ton orientation c'est un processus que tu vas maturer, tu dois te donner le temps de faire des erreurs, d'essayer des choses, de te poser des questions pour vraiment arriver là où tu seras bien. En fait, faut vraiment que tu vois le truc comme ça. Pour faire simple, l'orientation c'est un peu comme si t'avais plein de portes ouvertes devant toi et plus tu prends conscience de ça tôt, plus t'as de portes ouvertes. Et au fur et à mesure, ça va marcher en entonnoir. Évidemment, en passant par certaines portes, tu vas en fermer d'autres. Ce qu'on veut t'éviter, c'est d'adopter une orientation par défaut, d'aller dans une direction donnée parce qu'en fait bah, tes notes et les choix que t'as fait qui étaient pas forcément très réfléchis t'ont poussé par là. Alors il faut mieux que tu prennes le temps bah, de prendre du recul, de te demander qui tu es, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, pourquoi tu veux aller dans cette direction là et pas dans une autre pour pouvoir ensuite faire un choix maturé, adulte et qui vraiment va te rendre heureux derrière. Pour faire court, le but de cette vidéo c'est que tu sois acteur de ton orientation et pas que tu la subisses. S'il y a bien un truc qui doit être très clair aujourd'hui, c'est que ton orientation va influer sur tes études qui elles-mêmes vont influer sur ton job de demain. Et même si tout n'est pas joué à l'avance, sur toi, bah tu prépares quand même pas mal de choses pour les 20, 30, 40 prochaines années. Surtout dans un pays comme la France où le poids du diplôme est vraiment important. Et je te dis pas que si t'es mal orienté, tu vas finir au chômage et puis ensuite tu seras pauvre et puis ensuite tu vas mourir. Ce serait un peu dur. Mais je te dis plutôt que tous les choix que tu vas pouvoir faire aujourd'hui vont te faire gagner beaucoup de temps pour la suite. Point numéro 2. Tes notes sont super importantes, mais encore plus que tes notes, c'est ton dossier scolaire qui compte. Au lycée, on va te bassiner avec le bac, te dire voilà, le bac. Sauf qu'en fait, le bac, bah, pour l'orientation, c'est pas vraiment très important. Il faut que ce soit clair, le bac, c'est plus un rite de passage qu'une véritable épreuve en soi. Quand t'as 95% des gens qui ont le bac, bah ouais, forcément, bah ça a moins de valeur. Faut bien que tu comprennes que ce qui compte au lycée, c'est ton dossier scolaire, c'est-à-dire l'ensemble de tes notes en seconde, première et terminale, plus les appréciations de tes professeurs. Je fais peut-être un peu paniquer, et là tu dois être en train de te dire « Ouais, mais si mes premières notes, elles sont pas bonnes, je suis cuit. » Non, si tes premiers trimestres sont pas terribles, c'est pas gravissime. Ce qu'on va regarder vraiment dans ton dossier tout au long du lycée, c'est ta progression. Il faut vraiment qu'on voit que tu progresses, que tu es en train de maturer, que tu fais des efforts, que tu es sérieux et que tu travailles. Si tes notes, elles montrent une progression entre la seconde, première et terminale, et qu'en plus tes professeurs te mettent des appréciations qui sont encourageantes et qui disent que tu en as sous le pied, bah en fait c'est tous les ingrédients pour un bon dossier. Parce qu'en fait tout ça va aller dans ton dossier scolaire ou aussi ton livret scolaire. Je sais pas si tu sais, mais en fait tous les étudiants ont un livret scolaire dans leur établissement et c'est là-dedans que les profs rassemblent tes notes, rassemblent aussi leurs appréciations. Ça ensuite va être transmis à ton jury de bac et c'est aussi ça que vont récupérer les établissements supérieurs pour se faire un avis sur toi, ton dossier et savoir s'ils te donnent ta chance ou pas. D'où l'importance que ton dossier scolaire mette en évidence une progression tout au long de ton lycée. Voilà. Alors, quand on y pense, c'est vrai que c'est assez fou de se dire que c'est quelques bouts de papier qui vont décider de ton avenir. Mais en fait, c'est assez logique. Les places dans les bonnes universités, elles sont chères. Bah forcément, on veut des gens qui soient motivés, on veut des gens qui soient capables bah, d'accueillir des bonnes formations. Donc forcément, la compète pour faire des bonnes études, elle commence dès lycée. Et plus tôt tu t'y mets, mieux c'est. D'ailleurs, un petit conseil au passage. Si tu galères ou si t'as juste envie de blinder ton dossier pour mettre toutes tes chances de ton côté, bah je te conseille de prendre un Sherpa. Un Sherpa, c'est quelqu'un comme moi, un prof particulier qui va pouvoir t'aider à la fois dans les matières où t'es en difficulté, tout en te donnant aussi des conseils pour ton orientation. On a seulement quelques années de plus que toi, on est donc passé par les mêmes galères au lycée et je pense qu'on aura des super conseils pour vraiment t'aider à tout défoncer. Astuce numéro 3, construis ton orientation en fonction de ton projet professionnel avec un ou plusieurs métiers en tête. En gros c'est simple, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, je t'ai dit que l'orientation ça marchait avec des portes. Commence à aller vers une première porte, donc des filières qui t'intéressent, donc par exemple la science, le commerce, la littérature, les langues, que sais-je, puis ensuite une fois dans ces filières, là tu pourras encore raffiner et aller vers des métiers plus précis. Évidemment, faut pas que tu ailles dans des filières au hasard. Ça suppose que tu réfléchisses au préalable aux métiers sur lesquels débouche telle ou telle filière pour savoir s'ils vont te plaire, s'ils vont pouvoir t'intéresser. Bref, on ne dira jamais assez, mais renseigne-toi. Tu trouveras plein d'infos sur notre blog, sur de nombreux sites internet spécialisés et si vraiment t'es du père, t'as des conseillers d'orientation qui pourront t'aider à y voir plus clair. Conseil numéro 4, choisis bien tes spécialités
quand t'es en seconde et en première. En fait, tes spécialités vont déterminer ensuite les filières vers lesquelles tu vas pouvoir t'orienter, et donc ensuite les métiers sur lesquels tu vas déboucher. Le gros avantage du système de spécialité par rapport à l'ancien système de filières, c'est qu'il te laisse une infinité de choix pour composer des spé plus originales qu'avant. Dans l'ancien système, c'est facile. Tous les bons élèves allaient en S, les élèves moyens allaient en ES, et les élèves pas terribles, ou alors ceux qui étaient vraiment passionnés par la littérature, allaient en L. Résultat, dans l'ancien système, plein d'élèves allaient en S, pas parce qu'ils aimaient les maths, la physique ou les sciences, mais juste parce que c'était la voie royale. En fait, c'est bête parce que ça dévalorisait les autres filières. Aujourd'hui, avec les nouvelles spécialités, bien sûr, tu peux recomposer les anciennes filières. Mais ça, c'est pas très malin. Vu que tu vas choisir 3 filières en seconde pour la première, puis qu'en première, tu vas en lâcher une pour n'en conserver que 2, ça veut dire que tu peux te laisser le choix et te ménager des options. Et c'est vraiment ce qu'on te conseille. Donc vraiment, les spé sont conçus pour que tu puisses essayer des trucs. T'as juste 2 contraintes à prendre en compte. Il faut quand même que tes choix de spé fassent sens pour ce que tu veux faire ensuite. Prenons un exemple, un truc génial qui est possible aujourd'hui qui n'était pas possible avant. Imaginons que tu hésites entre des études scientifiques et des études plus commerciales. Dans tous les cas, tu vas prendre spé maths parce que c'est la matière de sélection en France et que c'est très dur de faire l'impasse sur les maths. Mais à côté de ça, tu vas pouvoir prendre spé physique et spé SES, par exemple, en première. Et en première, en faisant des SES et de la physique, tu vas pouvoir choisir pour finalement, en terminale, soit faire maths physique, soit faire maths SES. La réforme vient de te donner une année de plus pour réfléchir, alors qu'avant, fallait que tu sois sûr de toi en seconde. Autre avantage, imaginons que tu as envie de t'orienter vers des métiers un peu spécifique, mais t'es pas tout à fait sûr de toi. Du style, tu veux te tourner vers le développement informatique, ou alors tu veux faire de l'art, de la peinture, que sais-je. Bah là, en fait, tu vas pouvoir faire un combo 2 plus 1. Tu vas pouvoir faire 2 spé classiques par sécurité, et une spé plus originale qui concerne la spécialisation que tu envisages pour un peu tâter le terrain. Ce combo 2 plus 1, il est aussi possible par curiosité, c'est-à-dire que si tu sais déjà ce que tu veux faire, bah tu prends tes 2 spé que tu vas garder en terminale et tu te poses plus de questions, et la troisième spé, c'est du bonus pour faire des choses qui te plaisent. Attention, faut quand même te rappeler que certaines matières sont incontournables en France. Il y a beaucoup d'études qui te seront fermé si tu fais pas de mathématiques. Il va vraiment être très difficile pour toi d'aller dans les filières commerciales et les filières ingénieurs si tu les as pas étudiées. Les maths, ça reste la matière de sélection en France, dans une tradition assez cartésienne. Bah, tu peux pas trop faire l'impasse quoi. Oui, c'est vrai, le niveau de l'aspect maths a été corsé et est vraiment semblable à celui de la S auparavant, mais en fait, il faut vraiment le voir comme une opportunité. Parce que le niveau des maths dans les études supérieures, il est à des années-lumière de ce qui était vu au lycée. Là, en fait, avec cette hausse du niveau, le lycée va mieux te préparer au supérieur, ce qui est bien mieux, ce qui t'évitera beaucoup de mauvaises surprises. Si tu dois faire spé maths pour t'ouvrir des portes des études que tu as envie de faire, fonce, te pose pas de questions. Il faut juste que tu sois conscient que tu vas devoir taffer. Cinquième et dernier conseil, je voulais vraiment te dire de ne pas choisir ton orientation pour faire comme tes potes ou comme ce que tes parents te disent de faire. Tes potes sont qui ils sont, toi tu es qui tu es, tes parents ont évidemment une vision et des conseils à te donner et forcément ils vont participer à ton processus d'orientation, mais au final c'est super important que ce soit ta décision. Si tu fais des bons choix d'orientation, bah tu vas faire des études qui vont t'épanouir, dans lesquelles tu seras heureux, tu vas apprendre plein de trucs et ça va être trop cool. Si tu t'orientes mal, bah juste tu vas vivre l'enfer. Donc entre l'enfer et le paradis, tu sais quoi choisir. Je voulais finir ce point en te disant à bas l'autocensure. Personne n'a le droit de te dire ce que tu vas faire plus tard, ce que tu peux devenir. C'est à toi de travailler et te donner les moyens de réaliser tes rêves. Si c'est le cas, tu vas réussir à dépasser des montagnes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, comme d'habitude, bah lâche un pouce bleu, abonne-toi, pense à activer la cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos. Et sinon, bah on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peace !